Si toi aussi tu veux jouer avec les meilleurs joueurs et avoir ton équipe de rêve et un max de crédit, n'hésite pas à aller voir FIFA Coin. T'as 5% de réduction avec le code Clopis et 100% sécurisé, livré très rapidement. Tout est dans la description. Dans la draft qu'on a gagné, on avait un pack à 25 000 et un pack à 35 000. Donc c'est pas ouf, hein. Des fois tu peux choper mieux, hein. Tu peux avoir déjà les 45 000 crédits en cash, oh ça brille. Tu peux avoir, tu peux également avoir le pack à 100 000 quoi. Gardien, Hugo Lloris, c'est bien ça, parce qu'en plus c'est vendable, c'est du 88, ah bingo ça. Bingo, bingo. Dommage, c'est pas du tout, hop ça passe, du 88, on valide. Dans un pack à 15 000 crédits, ça vaut encore au moins 30 000 crédits je pense, hein. Même plus, ouais, ah non 30 000 c'est honnête. Bon les gars, récompense Fit Champions 21-01, il y a encore les tocs BPL, on a fini hors 1, hein, donc ce qui est pas dégueulasse en soi, mais on aurait fini Elite, on aurait eu un pack avec deux tocs dedans garantis, tu vois. Donc là en l'occurrence on aura deux packs à 100k et 50 000 crédits en cash, donc c'est pas dégueulasse, hein, on va pas cracher dessus, au contraire, ça fait plaisir. Mais voilà, si on avait fait Elite, on aurait été un peu mieux, j'ai envie de te dire. Mais deux packs à 100 000 crédits, on espère avoir un peu de chance, du tots, évidemment, une légende, Ronaldo, Messi, Neymar, tout ça, et puis voilà, que le meilleur gagne, même si on sait très bien qu'on va finir avec deux packs à 83 de général en termes de meilleurs joueurs, vous savez tout comme moi. 1, 2, 3, on perd pas plus de temps, c'est parti les amis, let's go! Allez, du bleu s'il te plaît, fais péter! Non, dans un pack à 100 000, j'ai eu ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que c'est un 82 au maximum. Putain, c'est un scandale. C'est un scandale. Non, mais là, j'ai dit 83, on n'est même pas à 83. Oh, le deuxième, s'il vous plaît, déconnez pas. On remonte le niveau. Allez. Ça brille, c'est pas tot, c'est dommage. Mais vas-y, balance quelque chose. Portugais, MD, Bernardo Silva, je le sais direct. Donc, on est sur du 82 et 84. Donc, en moyenne, ça fait 83 et 83. Donc c'est dégueulasse, merci, au revoir. Oh, c'est du boost. C'est du boost. Si vous pouviez éviter Bellerin. Ouais, bah ça va être Bellerin, je l'ai déjà, je vais devoir le discard. Merci, ça vaut 80 000 crédits. Merci beaucoup, monsieur Bellerin. Je peux pas le foutre dans un défi. Attends, est-ce que je peux le foutre dans un défi? Donc ça c'est le premier défi pour le joueur de Zaha. Donc en l'occurrence j'ai mis Crichito qui est disponible par rapport au défi quotidien. Et là j'ai mis Bellerin parce que je l'ai en doublon en attente. Donc de toute façon je peux pas le vendre, c'est de l'invendable. Donc voilà, on liquide ça. Comme ça on a la première partie, on a un pack joueur rare. Bon voilà, pour la deuxième équipe on a bien les trois joueurs ivoiriens. On a Fofana, Aurier, que j'en ai payé aucun d'ailleurs, et Zaha. Donc voilà, on débloque notre joueur Zaha. Player of the Month, 88 de général, autant vous dire, il est cheaté. Hein. C'est la première fois que je le fais, que je fais un joueur Player of the Month, tout simplement parce que il m'a rien coûté. Et qu'en plus, il a des stats, je pense que ce week-end en Foot Champions, il va peut-être me sauver des matchs, tu vois ce que je veux dire. Je vais vous montrer les stats in-game, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce bordel? Ah oui, c'est le pack d'avant. Je vais vous montrer. Je pourrais faire genre, j'ai eu ce pack. Oh my god, amazing pack! Ah, les Anglais, ils le feront, ils le feraient, ça les dérangerait pas. Hein. Donc je disais, ouais, premier détenteur, il fait 1m80, il a les 4 étoiles de geste technique, 94 d'accélération, 96 de vitesse, 96 d'agilité. Franchement, j'ai hâte de tester cette petite carte, hein, 77 d'agressivité, 83 de force. Ouais, franchement, merci. J'en avais dans le club, je les ai vendus parce que je pensais pas faire le défi Zaha, mais étant donné qu'il ne coûtera rien, je vais le faire. Ouh, c'est du boost! C'est du boost! Et décidément, les améliorations or, c'est la folie. Brésilien, MOC, qu'est-ce qu'on a? C'est Rafinha! C'est du Rafinha 84, boost dans un pack à deux joueurs. Franchement, on prend. Belle anime, hein. Belle anime. Ça brille, je crois que c'est du boost, non? Ouais, c'est du boost, j'ai bien vu. C'est inuit, donc c'est dégueulasse. Merci, bonne soirée. 84 de gêne. C'est ça, ouais. Oui, il a une belle carte. Ah, il a pas une belle carte, mais ça commence à être intéressant. Mais c'est dégueulasse au vu de ce qu'il y a dans le jeu encore. Ah bon. Ah, ça vaut 10k, je crois. Hein. Kiaska, peut-être derrière, il y a quelque chose. Falcao 84, ça c'est bien. Bon, je viens de faire le TOTS garantie reste du monde. Donc, il y a un joueur qui m'intéresse, c'est Arias, le Colombien, le défenseur droit du PSV. Sinon, le reste, c'est un peu olé olé.
Mais voilà, chaque joueur vaut minimum 50 000 crédits, étant donné que j'ai utilisé que des joueurs invendables, ça ne m'a rien coûté, donc ça sera que du plus, puisque ceux-là en plus sont vendables. C'est parti, on parle pas plus, le mieux ça serait le drapeau colombien. Allez, colombien, fait rêver comme on dit, c'est le 5 étoiles. Est-ce que c'est le 5 étoiles? Ouais, c'est Villanueva. Il a 5 étoiles de geste technique, 87 de général, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu que Hamso l'a partagé sur Twitter. Ouais, c'est sûrement pas le pire. Ouais, il a 5 étoiles, il a des belles stats, je crois. Voilà, il faut 84 de gêne, je crois que c'était 83 pour la TOTS BPL, mais bref. Là, on a que des joueurs au-dessus de 90. C'est très simple, si on voit Argentin, c'est Messi. Si on voit Portugais, c'est Guedes ou Ronaldo. Et si on voit l'Uruguayen, c'est soit Godin, soit Suarez. Et le reste, il y a beaucoup d'Espagnols, quoi. Mais si on voit Argentin, franchement, je pète un câble. Moi, celui qui me ferait vraiment plaisir, c'est Jordi Alba. Ou alors Philippe Luis, à la rigueur. Et sinon, bah, tout ce qui est Griezmann, Suarez, Cristiano Ronaldo, Messi, tout ça. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. J'espère avoir un peu de chance, ça ferait plaisir. Du moins, j'en ai pas encore dans tous les cas, donc il n'y aura pas de doublon. Mais voilà, maintenant, on a assez parlé. L'heure est grave. Il faut un beau tot, s'il vous plaît. C'est parti, le drapeau sera déjà décisif. Mais bon, je pense qu'on va avoir un drapeau espagnol, du moins. Allez, fais péter si c'est argentin. Si je vois l'argentin, je hurle. Je hurle. C'est allemand. Gardien, c'est Ter Stegen. Ça me fait plaisir. Ter Stegen, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout, Ter Stegen. 94, les mecs. 94. Ouais, ça peut être bien, ça peut être pas mal. Donc, vous savez qui c'est qui me ferait plaisir. Hein. Jordi Alba, Suarez, Griezmann, Messi, Ronaldo, Ramos. Ça serait vraiment le top du top. Mais forcément, on va pas avoir un de ces joueurs-là. Mais je rêverais d'avoir Messi ou Ronaldo, s'il vous plaît. Ça, j'ai parqué une seule fois Messi depuis que je joue à FUT. Jamais Ronaldo. Donc, c'est l'occasion, jamais. Ok? Je croise vraiment les doigts. Je compte sur vous, Yay. Faites péter une belle carte. C'est parti. Allez. Allez. Un beau drapeau, s'il te plaît. Fais péter. Fais péter, gros. Fais péter. C'est le gardien. Putain, c'est bien. C'est bien, mais maintenant, j'ai deux gardiens. J'ai eu les deux gros gardiens. Putain, je suis un peu deg. Donnez-moi Lozano, les gars, drapeau mexicain, allez, 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 allez. Allez, assurez les mecs, drapeau mexicain, on n'en parle plus, c'est réglé. Suisse, oh, c'est le latéral. Ouh là là, regardez les stats d'Mbabou. Le mec a 88, 96 de vitesse, 93 de physique, tout va bien. Combien ça coûte? Ouais. Les gars, starting game, folie, folie, folie furieuse. Hein. Folie furieuse, combien ça coûte ça? Ça coûte combien? Ouh, ça coûte 90 000 crédits. Non, arrêtez vos conneries. 60 000. Sabri boost, Sabri boost. C'est pas du bleu, mais Sabri boost. Écossais, c'est flingué. Ah là, c'est Robertson. Belle carte, Robertson. Bon, il est tots. Il est déjà tots, je sais pas combien il coûte. J'espère qu'il vaut au moins un petit 20-30K, mais je pense pas. Et le deuxième, s'il vous plaît, faites briller du bleu. 1, 2, 3, on ouvre. C'est parti. Allez, une barre bleue, s'il vous plaît. Ça brille. C'est pas bleu, mais ça brille. L'autre, il fait du bruit pendant ma vidéo. C'est du boost, encore une fois. Argentin, MD, c'est... Ça, ça va être la Mela. La Mela, mais je pense que ça ne vaut pas grand-chose. C'est à quand même 85 de général. En tout cas, deux boosts, hein. C'est mieux que la semaine dernière. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. On veut du lourd. Allez, fais péter un peu du lourd. Yes, un tot. Je rigole. Allez, allemand. Oh, Bailey. Oh, ça, c'est très lourd. C'est Bailey. Oh là là, regardez-moi ce bordel. Oh, c'est lourd de ouf. C'est lourd de ouf. Oh là là, on va regarder les stats direct. Ça, c'est lourd. Hein. Je l'avais pas qu'elle l'année dernière en... Il avait pas une version Ligue des Champions? Ou non, c'était quoi? Fit Birthday, je sais plus. Ah, mais c'est ouf.
élevé, moyen, 4 étoiles, 4 étoiles. Les stats, oh là là, oh là là, oh là là, les stats.